Nicole Bernard, secrétaire de l'association Les Incorrigibles. Mais pas Les Incorrigibles avec un C, avec un K. Pourquoi ? Comme ça, pour... voilà. Pour faire parler. Voilà. Eh bien, c'est bien. En tout cas, on va parler avec toi, Nicole. On va se dire tu pendant cet échange de la crèche et village provençal. Ça se passe à Méjane-le-Clap. C'est dans le Gard. Alors, c'est plus de 600 santons qui sont réunis ? Tout à fait. C'est bien plus, même de 600 santons, qui sont réunis dans cette très belle chapelle de Méjane-le-Clap et avec beaucoup de maisons, de personnages, d'animations sur les différents territoires de la région. Vous avez l'aspect Cévennes, l'aspect Camargue, enfin le Gard dans sa totalité et dans la tradition provençale occitane de Noël. Alors on précise que c'est du 23 décembre au 7 janvier de 14h30 à 17h30, mais ça a été ouvert avant avec une inauguration. Voilà, le week-end dernier, nous avons ouvert et nous avons déjà eu plus de 60 personnes qui, sur le week-end dernier, sont venues visiter cette belle crèche et en même temps découvrir, la chapelle qui est magnifique, qui a un peu plus de 300 ans. C'est l'occasion unique de découvrir cette chapelle qui, sinon, d'habitude, est ouverte les lundis matins d'été, le jour de marche. Alors, on précise que là, Nicole, tu es exactement dans la chapelle, près justement de ces santons qu'on voit un petit peu, mais on va les voir mieux dans quelques instants grâce... Je vais pouvoir vous les présenter un petit peu plus. Vous présentez aussi la belle chapelle dont vous pouvez voir le décor déjà pour l'instant. Hein, ce décor magnifique qui a été peint il y a une cinquantaine d'années, pas plus, par un peintre belge habitant à l'Est qui s'appelle Monsieur Cervenet, et dans un style italien Renaissance. Cette belle chapelle est toujours utilisée. Là, je vous présente une partie de la crèche. Voilà. Et je m'avance pour que vous voyez un petit peu le reste de la crèche. Vous voyez, elle occupe quasiment, pratiquement tout l'espace de la chapelle. Et alors, qui c'est qui met au point tout ça ? Ce sont des particuliers, des professionnels ? Alors, c'est la présidente de notre association, Patou Ougier, avec son mari Rémi Ougier, qui ont toujours fait cette crèche depuis au moins 40 ans et qui, depuis 9 ans, l'installe dans cette belle chapelle que nous prête à la fois la paroisse et la mairie, et que nous remercions, bien sûr. Et depuis 9 ans, tous les membres de l'association Les Incorrigibles font la permanence les après-midi pour accueillir les visiteurs, leur montrer à la fois donc la crèche avec les santons. Je me rapproche encore un petit peu des santons pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà. Et puis pour expliquer aussi un peu l'histoire à la fois de la chapelle et l'histoire un peu surprenante du village, puisque notre association a fait aussi un livre d'histoire sur le village. Donc, nous avons travaillé depuis de nombreuses années sur l'histoire atypique de Méjane-le-Clap. L'idée principale, c'est bien sûr de venir voir ce village de santons, mais c'est aussi de pouvoir profiter de ce petit village. Méjane-le-Clap, c'est un mélange entre la culture et le territoire. Tout à fait, c'est surtout un village très connu pour ses promenades en garrigue, son sport, ses randonnées. C'est un village plein de nature. Et alors, le top, ce serait de venir demain, samedi 24, visiter la chapelle en début d'après-midi et après profiter du superbe concert de Noël que notre association offre aux Mijanais et aux visiteurs et qui a lieu à 17h avec les Tindair. C'est un groupe de tradition occitane et qui vient nous faire un beau Noël provençal avec toutes les musiques, les instruments, les textes des Noëls anciens occitans. Ça n'est pas une célébration, c'est pas une messe, hein, par contre. Voilà, donc, mais à 17h dans la grande salle des verriers de la mairie
de mes jeunes plats. Voilà, donc le rendez-vous, il est un petit peu plus spécifique. Rendez-vous samedi, parce que il va se passer beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, avec ce magnifique concert. Et puis, on précise que l'association, elle est, elle, très active. Elle fait beaucoup d'événements. Elle fait beaucoup d'événements. Elle fait des concerts l'été, au printemps. Elle organise des week-ends de chorale et surtout un salon du centonnier pour les gens, justement, par rapport à la crèche qui adore les centons. Eh bien, le salon du centonnier est le premier week-end d'août chaque année dans la grande salle des verriers de la mairie de Méjeanne-le-Clin. Parfait, merci beaucoup. Nicole, on précise que tu étais à l'intérieur de la chapelle, donc c'est toujours, on a toujours des petits problèmes de connexion quand on est dans une chapelle comme ça, parce voilà, que ce qui explique cela. Le rendez-vous, en tout cas, il est donné. C'est du 23 décembre au 7 janvier de 14h30 à 17h30 pour Crèche et Village Provençal à Méjeanne-le-Clap. C'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. Et puis surtout, le rendez-vous, c'est demain samedi avec le concert qu'il faut absolument aller voir. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Au revoir.